Bien le bonjour les Anxios et on reprend le let's play sur Red Dead Redemption 2, épisode numéro 126 de notre aventure. Suivi, à la fin du dernier épisode, j'étais en quête d'Hansburg pour y retrouver Jim Boy Calloway et en terminer une bonne fois pour toutes avec cette mission. Cette mission qui consiste à retrouver aux quatre coins de la map les légendes de l'Est. C'est figures mythiques, emblématiques, qui ont forgé cette partie du monde, l'histoire en tout cas de cette partie du monde. Hello. Et je me suis rendu compte au cours de mes pérégrinations que la vérité était très loin de ce qui pouvait se raconter dans les livres d'histoire et dans les contes et dans les légendes urbaines. J'ai beaucoup joué en off, ce qui explique le fort raccord entre le dernier épisode et le début de celui-ci. Je me suis crafté des talismans. Et il faut se lever de bonne heure hein, pour se faire des talismans dans le jeu. Puisqu'il faut récupérer des items à droite et à gauche, des items bien précis qui vont vous permettre, une fois en votre possession, eh bien d'être crafté par le reseller. Notamment celui de Mural Ranch, hein, c'est le plus facile à trouver. Donc on a le talisman dent d'alligator qui réduit de 10% la vitesse à laquelle le noyau de sang-froid se vide, et le talisman défense de sanglier réduit de 10% la vitesse à laquelle les noyaux d'énergie et de santé du cheval se vident. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est les deux seuls talismans que j'ai en ma possession. Il y en a un autre qui est unique que j'ai depuis le début du jeu puisque j'ai la version ultime du jeu. Donc de ce fait, c'est une récompense que vous avez dès le début du jeu. Un petit bonus, un petit cadeau. Concernant les amulettes, je n'ai pas crafté depuis notre dernier épisode. Voilà. Alors, il a fallu que j'aille récupérer pour crafter ces talismans, notamment le bois pétrifié cobalt, ça s'appelle comme ça, c'est l'intitulé de l'item. Et ça, je suis allé voir sur internet pour savoir où il se trouvait. Et j'ai bien fait, parce qu'il fallait carrément revenir ici, au Lake Isabella, dans la partie enneigée de la map. Et ici même, vous avez un chariot abandonné avec un cadavre à côté, qui est glacé littéralement dans la neige. Et vous avez dans le chariot, un petit coffre avec le bois cobalt pétrifié. Ne me demandez pas ce que c'est, je sais juste que le receleur me demandait cet objet pour fabriquer un des talismans, je sais plus lequel, je crois que c'est celui Alligator. Il y a également donc les menottes de la garde de sécession que j'ai réussi à obtenir. Pour ce, il vous faut compléter au moins une collection complète des cartes que vous retrouverez dans les paquets de clopes. Et c'est chose faite. Alors à noter, attention, que vous ne pouvez pas terminer n'importe quelle collection en fait avant l'épilogue. Je m'explique. Hop, je vais essayer de vous retrouver les pages, je ferai un petit cut au montage. En réalité, seules les collections que je vais vous dire là sont disponibles entièrement avant l'épilogue, avant l'accès à l'autre carte du jeu qu'est New Austin. Et ces collections sont Faune américaine, Merveille des transports, Champion du monde et Américain célèbre. Voilà. Il n'y a que dans ces quatre collections que vous pouvez obtenir toutes les cartes, parce que concernant les autres collections, elles ont au moins une de leurs cartes qui se trouve à New Austin. Et de ce fait, vous savez ce que ça veut dire, pas possible de les terminer avant l'épilogue. Voilà. De ce fait, j'en ai complété une qui est la faune américaine, ce qui m'a permis de récupérer donc, après renvoi, les menottes de la garde de sécession. Et de ce fait, j'ai pu me crafter le talisman qui était affilié à cet item. Maintenant, on me demande un bracelet chaîne en argent, qui est un item qui est obtenable de trois manières possibles dans le jeu. Soit chez la vieille Ma Dalton qu'on a rencontré au tout début du jeu aux abords de Strawberry,
Le problème, c'est que je suis retourné dans sa maison. C'était de mémoire ici, Watson's Cabin. Ouais, Watson's Cabin, donc référence au Dalton. Eh bien, vous pouvez récupérer un bracelet chaîne en argent. Vous pouvez, malheureusement, j'y suis retourné tout l'intérieur de la maison en respawn, tous les objets en respawn depuis mon dernier passage, mais pas le bracelet chaîne en argent. D'autant plus que la deuxième manière de récupérer le bracelet chaîne en argent, c'est de le trouver sur l'espèce de folle furieuse là qui habite dans la pig farm d'Aberdeen. Vous savez, le couple de consanguins là qui m'ont invité à dîner et qui ont essayé de me dépouiller. Donc voilà, il faut savoir que la nana, elle en a un sur elle. Donc je l'ai déjà probablement eu au tout début de l'aventure lorsque je leur avais rendu visite. Je l'ai probablement trouvé, mais je l'ai revendu depuis. Donc si vous en trouvez un au cours de votre aventure, ne le revendez surtout pas. Parce qu'après, c'est la galère pour le retrouver. Maintenant, j'ai plus qu'à compter sur la RNG. Voilà. Donc j'ai plus qu'à espérer en trouver un en fouillant à droite à gauche ou en braquant des civils. Mais ça me fait chier pour le RP de braquer des civils. Voilà. Des boucles d'oreilles d'argent, des boucles d'oreilles en or qu'on vous demande. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à trouver. Et la vieille boussole en cuivre. Mais pour ça, il faut que je retourne à Hawkeye Cabin. Aux abords de Strawberry. Aux abords de Strawberry, ça doit être par là, je crois, je sais plus trop. Hawkeye's Creek, donc ouais, ça doit être par là. Et c'est le mec qui vous confie la mission des figures rocheuses. Une fois que les figures rocheuses sont toutes identifiées, localisées, ce qui est mon cas, eh bien, vous n'avez plus qu'à lui envoyer donc la localisation des figures rocheuses et lui-même vous envoie une invitation. Lui-même vous envoie une invitation pour rentrer dans sa maison et dans sa maison vous trouverez le fameux item, cette vieille boussole en cuivre. Voilà. You. I'm looking for Slim Grant, State Marshal. Heard you boys know where to find him. Oh, Mr. Marshall was here last week. I think he headed up to Beaver Hollow looking for some outlaws. Is he coming back? Sure, when he catches them fellers he's been after. Well, how long's he been gone? Well, a couple of days. Well, you ain't gonna go look for him? If your boss's boss, who you all hated, went missing, possibly dead, at the hands of a bunch of violent wanted men, would you go looking for him? Well, yeah, probably, because I'm a fool. Well, when he's dead, maybe I'll become marshal. I'll be a hero riding a horse from town to town, mister. Think of that. Good luck with those dreams. Au campement de... Oh là là, donc là, apparemment, il est carrément à Beaver Hollow. Putain, et ça, je le savais pas. Ça, je ne le savais pas. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait, en fait. Je suis jamais allé aussi loin dans ces missions secondaires. Donc, apparemment, le marshal Dansberg est à la recherche également de notre groupe. Bah écoutez. On va y aller et même on va se dépêcher en vrai parce que c'est pas une bonne nouvelle ça. Alors la route la plus safe et la plus courte. Pourquoi elle a pas voulu tourner putain mais... Je me suis maté quelques vidéos sur YouTube. Les Insane Details, comme on les appelle, c'est-à-dire les mecs qui sont amusés à répertorier tous les détails hyper réalistes qu'on trouve dans le jeu. Que ce soit au niveau de la physique, que ce soit au niveau des interactions avec les gens, des réactions des PNJ, voilà, tous ces trucs hyper réalistes. Et il y a un mec qui, dans une série de vidéos assez conséquente, c'est dire s'il y en a de ces détails. Eh bien, le mec les a répertoriés, quoi. Allez, on y va, au galop. Maintenant qu'on risque plus de renverser quiconque. Par contre, il traîne le cheval, hein. Allez, oui. Voilà. Ah, j'y vais au triple galop parce que c'est quand même
relativement inquiétant, cette histoire de Marshall qui nous recherche. Et en plus, ils savent où on est, un Beaver Hollow, quoi. C'est ça qui est flippant, finalement. Et en plus, ce sont des vieux... Ben, c'est un vieux Marshall bourré dans une ville pourrie qui connaît l'emplacement de notre campement. C'est vous dire si, évidemment, l'équivalent du FBI est encore plus au courant, finalement, de l'histoire, quoi. Je réussirai pas. Voilà, il va falloir que je fouille les corps, les petits gars, parce que je suis désespérément à la recherche de ce bracelet. Là, il faut vraiment que je fouille les corps, hein, parce que je vais avoir besoin d'une RNG plus que favorable pour trouver ce putain de bracelet chaîne en argent. Il ne faut pas hésiter à fouiller. Et du coup, c'est qui ces mecs qui l'ont capturé là? Parce que c'est pas des rejetons de Murphy. Alliance en or, dommage. Ouais, j'ai essayé de balancer la dynamite pour tuer 4 mecs, ils me semblaient suffisamment rapprochés. Mais finalement, ça n'est pas passé. Ok. Let's get you out of here. Yes. Indeed, son. I need a favor, Mr. Grant. It's nothing big. I'll explain on the way. Might as well relax. This is real peculiar. I'm state marshal, you know. Yeah, I know. Just sit tight. All will be revealed. Bon, j'imagine qu'on va se faire attaquer par toute la terre. Now you gonna tell me what the hell is going on here? I was before you got so short with me. Et du coup, faut que je le ramène où alors lui? Ok. Très bien. Juste à remonter la rivière finalement. Il est où le campement Beaver Hollow? Il est là, ok. Ouais, donc il était vraiment pas loin, hein. Putain. Oh, il était vraiment pas loin le gars. Son, what the hell are you up to? I'm taking you to see an old friend of yours. It's a reunion of sorts. Will you stop be- so damn cryptic. I'm telling you all I can. It's a job. Someone wants to see you. I'm taking you to them. What if I don't want to see them? Well, that's a good argument for keeping that rope around your wrists. Et donc ouais, tous les détails qu'il y a, les petits gars, c'est un truc de malade. Horseshit, I'm saving you. This is just a little detour on the way to liberty. I will prosecute you for this, you insubordinate bastard. There you go again, Mr. Grant. Ain't doing yourself no favors. What's your name, son? I ain't got no name, and I ain't your son. Sit tight. I'll take you to your friend. And this will all be over. Oh, not for you, it won't be. Whatever you say. Ouais, donc je vous parlais de ces détails qui ont été répertoriés en vidéo concernant le réalisme incroyable du jeu, ce qui me fait dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Alors c'est assez chiant parce que le dialogue à chaque fois j'ai l'impression qu'il est terminé, mais non, il se relance. Donc du coup je vais fermer ma gueule jusqu'à la fin de la mission.
down here? It's almost over, Marshal Grant. State Marshal Grant. Yeah, yeah. So you got him. I think so. Did you kill his cousin back in 82? Whose cousin? My cousin. I never shot no one, didn't deserve it. You shot Jed Calloway. And I told you then I'd shoot you too. And I would've, if you'd shown up. I was there. No, you weren't. You left town. You take that back. But I don't care now. It's nigh on 20 years ago. We're old men. We're lucky. Fight me. You're an old man. Come on, fight me. It's a bit late, isn't it? God damn you! Well, that settles that then. Shut up. I shot him in the goddamn back! When these things happen... God damn you! Goddamn both of you! Well, now calm down. Who cares? You should have shot him 20 years ago. He's dead now. You are a sickness scum like you and you, Plato. Come on! Draw! Why? I said draw, goddammit! No. Yes! Yet indeed. Still, at least now you got an ending to your book. He's dead. Oh, don't you start now. No, I'm not starting. I'm happy. I'm free. I can finally go back to writing westerns instead of being in one. Yeah, he was pretty wild. And I know some wild people. He was certainly complicated. I'm sorry I shot him. No. And you didn't shoot him. He did. In the back. After he mortally wounded Slim Grant. Fair and square. Yes, that's it. Last of the gunslingers. Well, more or less, I guess. There's more? Oh, there's always folk who shoot you in the back and then rewrite history. Oh, hey, where do I send the money? Send it to Tacitus Kilgore. No, that ain't my real name. J'espère juste que je vais pouvoir fouiller les deux corps. Est-ce qu'ils sont encore là? Ouais, il y a une arme en plus à récupérer. Donc voilà, cette mission est terminée. Je sais pas si j'ai réussi. Alors attendez, parce que du coup... On va voir à quoi il ressemble ce flingue. Il est sympa. Canis canem edit. Ouh, ça me dit quelque chose ça. Je connais cette phrase. Bref. Et qu'est-ce qu'il a de particulier le revolver de Calloway? Il est assez puissant, il est un peu plus puissant que Scofield. Pas de grand chose. Au niveau de la portée c'est la même. La cadence de tir il est meilleure. Meilleur en recharge, précision, c'est à peu près le même délire. Ouais, ok, je voudrais juste le fouiller pour voir. Que dalle. Ah, une montre en platine quand même. Et lui, du coup, il avait pas d'arme. Donc voilà. Alors, en parlant de détails réalistes, hein, voilà le cheval qui cague. La décomposition des corps, ça c'est quelque chose de complètement ouf. Aussi bien les animaux que les humains. Voilà, c'est-à-dire que si je reviens,
Alors pour les humains, je sais pas si ça fonctionne, mais pour les animaux, c'est sûr et certain, puisque ça, je l'ai déjà moi-même expérimenté dans le jeu. Il y a plusieurs stades de décomposition lorsque vous laissez un cadavre derrière vous. Il y a vraiment l'aspect putréfié avec les mouches autour, après t'as vraiment que les os qui restent, donc ils disparaissent complètement. Le fait de tirer dans une barque pour la faire couler, dans n'importe quel récipient du jeu, lorsque tu tires dedans, il va se vider de son contenu. C'est valable aussi pour les chariots de kérosène, c'est-à-dire que vous tirez dans le chariot de kérosène, l'essence va se répandre, et vous pouvez continuer à conduire le chariot et de ce fait, faire une traînée d'essence derrière vous. Et après, vous pouvez foutre le feu à la traînée d'essence. C'est juste ouf, quoi. Tous ces détails, le feu qui se propage, hein, y a pas beaucoup de jeux qui le font, encore en 2022. Donc voilà, c'est tous ces détails qui font que, pour moi, Red Dead Redemption 2 est le meilleur jeu de tous les temps. Après, oui, au niveau du gameplay, vous allez me dire, c'est de la merde, c'est pas un vrai jeu, parce qu'il n'y a pas vraiment de gameplay, finalement. Moi, je vous parle surtout, parce qu'après, ça c'est subjectif, en fait. Hein. Ça dépend de notre affinité. L'affinité qu'on a avec les jeux vidéo, il y a des gens qui préfèrent les jeux de plateforme ou les jeux où on te demande d'avoir des réflexes, enfin voilà, où on te demande d'avoir d'être bon sur les inputs, ce qui n'est pas du tout le cas d'un Red Dead. Mais en ce qui concerne la technique, c'est le jeu le plus poussé de tous les temps, en fait. Voilà, il faut voir tous les détails qu'il y a, la map qui est évolutive, c'est-à-dire que lorsqu'on reviendra à certains lieux durant l'épilogue, les lieux auront changé, le paysage aura été refaçonné par la main de l'homme. Enfin voilà, il y a des maisons qui seront construites, enfin des arbres qui ont été coupés. C'est juste incroyable, c'est tout, c'est juste la folie furieuse. Je suis retourné au campement, je suis pas très loin. Lorsque vous faites un combat à main nue, vous pouvez voir les hématomes sur les mains de votre personnage, c'est-à-dire qu'il a des bleus sur les poings, à force de cogner. Évidemment, les hématomes qu'il a sur la tronche, à force de prendre des coups dans la gueule. Donc il y a tout ça, évidemment. Hein. Là, on le voit depuis qu'il est malade, il a le teint blafard, il a des cernes, tu vois qu'il est pas bien. Donc au niveau des animations, c'est juste incroyable. Les lapins. Alors pourquoi je parle des lapins? Parce que justement dans la vidéo en question, le mec s'amuse à courser un lapin. Et le lapin se réfugie dans un tronc d'arbre. Dans un trou qu'il y a dans un tronc d'arbre. Il se planque. Pareil, il y a les grizzlies. Il y a certains grizzlies. Alors je sais pas si ça fonctionne sur tous, mais en tout cas ça marche dans la vidéo. Le grizzly attaque. Et le joueur laisse son personnage statique. En fait, t'as le grizzly qui t'attaque, tu restes comme ça. Tu restes comme ça face à lui. Tu restes debout, tu bouges pas, et apparemment, le grizzly, ben, du coup, il fait demi-tour. Truc de fou, quoi. Truc de fou. Au cours de la vidéo, le mec s'amuse à tirer des flèches dans un... Alors c'est la nuit, l'action se déroule la nuit. Il s'amuse à tirer des flèches dans une espèce de petit édifice en bois, éclairé par une lampe à pétrole. Et donc tu vois le reflet généré par la lampe, par la lumière de la lampe à pétrole, tu vois le reflet des flèches qui vibre en fait. C'est-à-dire que quand tu tires une flèche, forcément, elle vibre un coup, elle atterrit dans le bois, et là elle vibre un coup, tu vois. Et bien là, pareil, tu vois vraiment le reflet des flèches qui vibrent. Enfin, c'est dinguissime, le petit gars, le réalisme qu'il peut y avoir dans ce jeu. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie de joueur. Évidemment, les chevaux qui ont peur, qui sont nerveux lorsqu'il y a de l'orage, ou lorsqu'il y a un prédateur dans les environs, qui peuvent même aller jusqu'à désarçonner quand le prédateur est trop près. Les réactions hyper réalistes et crédibles des animaux entre eux. Pas plus tard que l'autre fois, j'étais en train de pêcher et j'ai vu un oiseau venir choper un poisson dans la flotte, quoi. C'est la folie, c'est la folie.
Pareil, quand tu tues un mec dans un marécage, enfin tu mets le cadavre du gars dans le marécage, et si t'attends quelques secondes, bah tu vas voir un crocodile qui va venir récupérer le corps, quoi. Et la façon dont il le récupère, pareil, une fois de plus, c'est super bien fait, c'est hyper impressionnant. Tu vois le crocodile qui sort de l'eau, et qui te chope le corps et qui te l'emmène sous la flotte. Le fait que les mecs restent les pieds dans les... Quand tu shootes les mecs qui sont à cheval, le fait qu'ils restent les pieds dans les... Comment on appelle ça d'ailleurs? Les arçons? Putain, je sais même pas comment on appelle ça. Les étriers, c'est, je crois, je sais plus. Si tu tires dans le panneau en bois. Si tu tires dans le panneau en bois qui est situé à l'arrière des éoliennes, tu peux la faire tourner l'éolienne sur elle-même. Les couilles du cheval sont plus petites dans les zones froides que dans les zones chaudes. Et ça, c'est vérifié une fois de plus sur la vidéo. Il prend le même cheval, le mec. Il va à Rhodes, enfin aux alentours de Rhodes, où il fait chaud. Et tu vois que le cheval, il a une grosse paire de couilles, tu vois que ça, tu sais. D'ailleurs, la mienne, elle en a pas parce que c'est une femelle, je le rappelle. Et avec le même cheval, il va dans la partie enneigée. Et là, les couilles ont disparu quasiment, quoi. Donc c'est... Tu les vois, elles sont encore là, si tu veux, c'est pas un bug, elles sont encore là, mais elles sont beaucoup plus petites. Pff, c'est ouf. Si tu tires dans les vaisseaux sanguins des PNJ, tu les verras se vider de leur sang complètement. Tu vas avoir un flux de sang ininterrompu avant que les mecs meurent d'hémorragie, quoi. Ça, je l'avais jamais fait. Ou alors sans le vouloir peut-être, mais je m'étais jamais attardé dessus. Regardez-moi ce jeu de lumière là, oh la vache. Quand t'es au campement aussi, si tu t'incrustes dans une tente, la nuit, une tente qui ne t'appartient pas, au bout d'un moment ils te foutront dehors les mecs. Il y aura une cinématique où le mec te foutra dehors de sa tente, quoi. Who are you? Arthur coming in. Roll out the red carpet. Arthur back. Le fait que les chevaux domestiques aient des fers à cheval aux pieds, aux sabots, alors que les chevaux sauvages n'en ont pas. C'est un détail, mais c'est prouvé une fois de plus. Je reviens plus souvent au camp parce que l'ambiance a changé, comme je le dis tout le temps. Et du coup, j'ai le cafard. Quand je reviens au camp, j'ai le cafard. C'est plus comme avant où c'était toujours un plaisir d'y retourner. Maintenant... Come on, man. Right now, be strong. Be together. I'm trying. Try harder. You're not the man I thought you were, Javier. I don't want to get into this with you right now. Ah, c'est toi qui vas me casser les couilles. De toute façon, mon seul pote ici, c'est Charles. Hello. Tomorrow's another day. Alors je suis revenu au campement parce que normalement je suis censé recevoir une lettre d'un personnage que vous connaissez bien. Malheureusement, elle ne m'a
toujours pas envoyé de lettre et j'ai bien peur. Ouais, y a toujours pas de lettre. J'ai bien peur, les petits gars, que... Ou alors j'ai déjà fait cette mission, je ne sais plus. Non, je crois pas. Vous savez, la petite blondinette de Rhodes, qui fait partie de la famille Braithwaite, je crois, et qui se tape le mec qui fait partie de l'autre famille, la Roméo plus Juliette. Apparently so. Cleet and Joe are good boys, Arthur. I rode with them a long time ago. Best thing that could have happened to us, really, me bumping into them again. Best thing, right, boys? Yeah. Bon, ce que je vois, c'est qu'ils boivent notre bière, notre whisky. Sullen, angry man, and he ain't well. Not well at all. Sad, really. But what can you do? Guess we all gotta die sometime. You know, once all this gets shaken down a little and calmed down, we're gonna get going on business, boys. Good business. I got good ideas. Me and Dutch, we both have. We've talked about Australia. It's an amazing place. More land than you can imagine. We'll go someplace good. Dutch has got plans. Good plans. He has. J'ai tellement envie de me foutre ma main dans la gueule à ce fils de pute. You think you're the cat who got the cream, don't you? Maybe you should go lie down, Black Lung. But you're nothing but a conniving weasel. J'ai tellement envie de te foutre sur la gueule, sale fils de pute. So you're still acting crazy, Mr. Morgan. I am crazy, Miss Grimshaw. Ain't no changing me now. We all change every day, Mr. Morgan. I'm too near the end to change. You're too near the end not to. Now calm down out there and stop shooting innocent folk. Sauf que je suis plus d'innocent depuis un bout de temps. What are you up to now, Morgan? Hey. Yes, Micah. Why don't you sit a while? Si, je voudrais m'asseoir, mais apparemment vous ne me laissez pas. Ah si, c'est bon. Ah, je peux pas. J'ai pas accès à ma sacoche. Je peux pas boire un coup. Non, bah c'est nul, je vais me coucher. C'est où la popote là? Je vais manger un petit bout pour recharger les batteries. Mais ouais, je suis déçu parce que... You've just got one of them faces I'd love to hit. Ain't my fault you're sick. Keep talking and I will. What's your problem? Oh, stop trying to act tough. Okay, I've had it with you now. Micah's little lackey. Son of a bitch. Va pleurer dans les bras de ton petit copain. Good evening. We survived another day. Most of you whiners, I've been in some real tight spots. And this ain't even a goddamn spot, let alone a tight one.
I felt rope around my neck more than once. Don't scare me. This don't scare me neither, not one little bit. Way I see it, way I see it, these things prove what you made of, prove what you is. And right now, too many of yous is proving precisely what you is, and it's like something I went and stepped in. No offense, mind. At least not to them that's gonna quit moaning. Si c'est pour entendre des conneries comme ça, je préfère aller me coucher. C'est en grande partie à cause de lui qu'on est dans la merde. S'il faut, je lui rappelle ses exploits à Strawberry déjà. On aurait jamais dû aller le libérer, ce mec. Mais jamais. Ouais, non, mais j'ai toujours pas, malheureusement. Toujours pas reçu la lettre de la demoiselle Pénélope, je crois qu'elle s'appelle. Bon, tous ces trucs-là, je sais plus si. Je sais plus du tout si ces trucs-là, on les a découverts ensemble, ou si j'avais découvert en off ces trucs. Putain, mais ça va jusqu'où le bordel? C'est même pas dans l'ordre en plus, parce que t'as des dessins qui correspondent au chapitre précédent. Ah, c'est bon, je suis arrivé au bout là. Ouais, donc ça on l'a fait en off par contre. Très bien, allez, on dort. Parce que la mission dont je vous parle, Un amour sincère, cette dernière partie, il y a un temps donné pour le faire. Mais très logiquement, je devrais avoir jusqu'à la dernière mission scénarisée pour pouvoir faire cette dernière. C'est pour ça que ça me paraît bizarre, en fait. C'est pour ça que ça me paraît bizarre que je ne puisse pas la faire. Hein. Tiens, je vais me changer parce que j'aime pas du tout comment je suis habillé. Et je vais aller, je pense, voir Charles. Ici. Du coup, je m'habille en conséquence. Je ferai une ellipse. Pas mal, je me suis habillé un peu chaud là. Oh, c'est la classe, j'aime bien. You don't already know. Okay, well, keep me posted. All right then, Arthur. How you feeling? Better, I guess. Good. At least someone is. Fine morning. I don't know how many more mornings of this I can take. Hey, Mary Beth. Allez. On va retrouver Charles pour la mission. À Calumet Ravine. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est l'endroit où il y a le... Putain, je la mettais jamais cette tenue, mais je la trouve hyper stylée en fait. Puis là, elle est parfaite pour la région, quoi, parce qu'elle est pas trop chaude.
C'est juste le holster là qui me plaît pas trop. Est-ce qu'il est pas comme les autres? Tant pis, c'est pas grave, c'est un détail. Alors du coup, Calumet Ravine. Ça va nous faire un petit peu de route tout ça les petits gars. En plus, je suis en train de me tromper, je pars à l'opposé. Donc ouais, c'est pareil hein, pour le coup des cartes de paquets de cigarettes là. Une fois de plus, merci le guide quoi, parce que elles sont tellement, il y en a tellement beaucoup déjà. Il y a 12 cartes par série. Et il doit y avoir 7 ou 8 séries. Donc faites le compte. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Je les ai là sous les yeux. Il y a 144 cartes dans le jeu. 144 cartes à trouver, disséminées aux quatre coins de la map. Généralement, c'est dans des bâtiments, hein, voilà, mais ça peut être partout dans les bâtiments. J'en ai même trouvé une sous un pieu, sous un lit. Donc tu vois, t'as intérêt à être vigilant. Et encore trouver, c'est un grand mot, parce que je savais qu'elle était là, parce que je l'avais lu dans le guide. Mais si j'avais fouillé la maison, je serais probablement passé à côté. Enfin voilà. 144 cartes à retrouver, les petits gars, disséminées partout. Alors là, je t'explique même pas combien qu'il y en a en plus dans les villes comme Saint-Denis. Le bordel que ça doit être, parce qu'il doit y en avoir dans tous les bâtiments visitables. Donc. Ah, c'est. C'est la folie furieuse, quoi. Et si tu veux t'amuser à toutes les récupérer une fois de plus, il faut le guide ou alors. Être parachuté sur une île déserte avec le jeu. Parce que là, c'est juste pas possible. Donc moi je vous conseille de faire soit la collection Merveille des Transports, soit la collection Américain Célèbre, soit la collection Champion du Monde, soit la collection Faune Américaine. Puisqu'il faut savoir qu'en dehors de ces quatre collections là, vous ne pourrez pas les faire avant l'épilogue comme je l'ai dit en début d'épisode. Donc faites attention, parce que ça c'est un coup à perdre son temps aussi. Et du coup, avec le guide, je suis allé récupérer toutes les cartes d'Emerald Ranch. Il y en a 3 ou 4 à Emerald Ranch. Il y en a une qui est sur la plateforme de l'éolienne. Donc là, c'est pareil, il faut le savoir. Il faut monter à l'échelle. Au dernier étage de l'éolienne. Ah oui, alors pareil. Un détail, regardez les petits gars. Regardez bien, par exemple... Ici, l'arme de Calloway. Cadence de tir. Et si maintenant je m'amuse à la mouiller, alors est-ce que là elle est mouillée? En fait l'idée c'est de la mouiller. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais arriver à la mouiller malheureusement. Ah non, l'eau est pas assez profonde. Bon, ma démonstration a foiré. Parce qu'il n'y a pas. L'eau est pas assez profonde. Et vous avez vu hein, le réflexe qu'a le personnage quand il rentre dans l'eau, c'est de maintenir ses armes en dehors du niveau d'eau. Pour éviter justement qu'elle soit mouillée. Et donc ce qu'il faut savoir. Ah là j'aurais peut-être pu là. On n'aura pas. T'as la taille de ce poisson frère. Là je vais pas arriver à le shooter ce bâtard. T'as vu la taille de ce poisson mec? Putain je peux pas la récup. Bref. Ouais donc tout ça pour dire que en très gros,
Quand ton arme est mouillée, elle perd clairement, pas forcément en termes de dégâts, mais en termes de cadence de tir. Et une fois de plus, le mec te le montre sur la vidéo et c'est flagrant. C'est genre, tu tires mais 2 à 3 fois moins rapidement, quoi. Même si, à mon avis, à l'époque, les armes, quand elles étaient mouillées, tu pouvais pas tirer du tout, hein, parce que la poudre était mouillée, donc c'était mort, quoi. T'imagines, ils auraient poussé le réalisme jusque-là. De toute façon, en termes de réalisme et d'immersion, honnêtement, il a mis la barre tellement haute que le prochain Red Dead Redemption, s'il y en a un jour, mais je pense que oui, ne pourra pas aller encore plus loin. Je pense pas, c'est pas possible en fait. Là, ils ont atteint un tel niveau que... Pff. Quand tu suis un PNJ dans le jeu, le PNJ a une vie bien tracée, voilà. Il a un quotidien bien établi, bien défini, avec des activités bien définies. Et pareil, tu peux t'amuser à suivre un PNJ dans le jeu. Tu vas voir que le matin, il va aller bosser. À midi, il va aller prendre un petit déj, enfin un déjeuner. Il va retourner bosser pour l'après-midi et le soir, il va rentrer, il va manger, il va fumer sa clope, il va aller se coucher, enfin c'est oufissime, c'est dinguissime quoi. Par contre, ce que j'ai jamais fait, c'est de suivre un PNJ voyageur. C'est un mec que tu rencontres comme ça sur son cheval dans la nature là. Ce qui serait sympa, c'est de les suivre ces mecs là pour voir ce qu'ils font, est-ce qu'ils marquent une halte à l'hôtel lorsqu'ils arrivent dans une ville ou est-ce qu'ils sont juste programmés pour aller d'un point A à un point B et après ils dépop, je ne sais pas. Le problème c'est qu'on peut pas vraiment le faire parce que tu peux pas suivre les PNJ dans le jeu. Les mecs finissent tous par se braquer et puis soit ils t'agressent, ils te tirent dessus, soit ils se barrent au galop. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la cabane s'il n'y a pas une carte justement. Puis là où c'est vicieux, c'est qu'il peut y en avoir aussi bien à l'intérieur de la maison que vous voyez là par exemple. Oh putain. Bon, je vais la noter. Ah tiens, le guide me dit qu'elle existe en 2 exemplaires, celle-ci. On peut également la trouver au nord-ouest de Fort Wallace. Mais uniquement à partir de la mission Le Fils du Roi du chapitre 6, donc j'y suis pas encore. Le Turcoman. Et le Turcoman, c'était un cheval jouable dans le premier Red Dead. Vous pouvez l'acheter. Or c'est pareil, le mec filme les gouttières à Saint-Denis. Le mec filme les gouttières à Saint-Denis et tu vois que bah, quand il pleut, il déverse de l'eau. C'est con, vous allez me dire, c'est complètement débile.
Mais il y a des jeux qui ne prennent pas la peine de pousser les détails jusque-là. Jusque-là. Hein. Il n'y a rien dans la cheminée. Hein. Là, en vrai, je crois que c'est la vie de rêve, la petite cabane. Peut-être habite là, mon gars, c'est la vie de rêve. À cette époque-là, hein, je dis. Hein. Parce que maintenant, ça n'existe plus. Hein. Des coins comme ça, aussi tranquilles, aussi paisibles dans le monde, ça n'existe plus. Quoi. C'est-à-dire que le monde est souillé de partout maintenant. Il n'y a plus un endroit où tu peux être tranquille, tu peux être seul au monde, justement. C'est... À part en plein milieu du désert de l'Australie ou en plein milieu de la jungle amazonienne, mais c'est pas des endroits viables, tu vois ce que je veux dire. Je te parle des endroits vraiment où tu peux vivre. Seul sur Terre, ça n'existe plus. C'est-à-dire que là, en 2022, tu viens dans un coin comme ça où tu crois vraiment que c'est hyper reculé, que tu es au milieu de la forêt, qu'il n'y a personne qui va venir te casser les couilles, tu vas tomber toujours sur un connard de jogger et trois randonneurs, quoi, tu vois. Et puis une bande de jeunes qui va venir se brûler la gueule au bord du lac le soir. Tu vois, c'est ça qui est triste, quoi. C'est que pff, on est tellement nombreux sur Terre maintenant que... Il n'y a plus d'endroit où tu peux être tranquille. Alors qu'à l'époque, si, carrément. Carrément. Mais là, à l'époque, tu vis dans la petite baraque au bord du lac. Mais t'es trop bien, mec. Bon, après, je te cache pas que c'est la merde. Je te cache pas que c'est la merde pour aller manger parce que bah, il faut se lever pour chasser, faut se lever pour pêcher. Mais après, voilà. Hein. Si tu prends l'habitude, c'est comme tout. Hein. Si tu prends l'habitude, il y a des gens qui doivent le faire encore aujourd'hui en Alaska et tout. C'est à des gens qui vivent comme ça, quoi. Donc c'est que c'est pas infaisable, hein. Ça doit être très très dur, par contre tu travailles pas. Ton travail c'est le fait de survivre, c'est le fait de subvenir à tes besoins, c'est ça ton travail au quotidien. Et c'est probablement un travail bien plus long, bien plus douloureux, bien plus gratifiant pour le coup, qu'un n'importe quel autre travail. Tu survis, hein. Tu vis, voilà. tu travailles pour toi en fait. Tu vas couper ton bois, tes stocks, tes réserves de bois pour l'hiver, pour avoir de quoi te chauffer. Bon, l'hiver ça doit être la merde pour chasser, je sais pas comment tu fais. Peut-être que tu pêches sous la glace, mais tu bouffes du poisson tout l'hiver. Ouais, ça doit être un sacré bordel. L'hiver pour manger, ça doit être une horreur. Et je pense que les hivers sont très très rudes. Quand tu vois là où c'est, en plein milieu de la montagne. Mais c'est une vie de rêve quelque part.